CRTV, the heart of. Attendu à Bouya. L'émissaire du président de la République, Paul Biya, avait pour mandat de tenir la deuxième session du comité de suivi des recommandations issues du Grand Dialogue National. À la tête d'une forte délégation des membres du comité qui l'accompagne, Joseph Dzongote s'est rendu à Bouya pour tenir cette instance à un endroit où il lui sera possible de consulter, d'échanger au plus près avec les populations concernées. Lumineuse, l'idée a démarré au quart de tour et suscité l'adhésion des foules venues à la rencontre de l'envoyé spécial du chef de l'État sur le mythique pont du Mungo. Tout est dit et bien écrit sur la banderole qui flotte au vent. Welcome dialogue to all misunderstanding. Du pont sur le Mungo, qui scelle la jonction entre les deux Cameroun d'alors jusqu'au pied du mont Fako à Bouya, le mont Cameroun qui a fait sa réputation à l'international, pas moins de 6 stations à l'ambiance délirante et enthousiaste vont ponctuer le parcours du mandataire de la paix. Pont sur le fleuve Mungo, Carrefour Tiko, soit environ 20 km. L'apothéose, c'est ici. Forte mobilisation, les populations sont sorties massivement, brandissant les couleurs de la République du Cameroun, l'authentique vert, rouge, jaune du berceau de nos ancêtres, scintillant de son étoile dorée. Mountain Hotel, perché sur l'un des flancs qui supplombent le Cameroun. Joseph Dzongote reste admiratif devant les groupes de danse, l'obligeant à esquisser quelques pas de danse. C'est une visite qui nous anime à grand cœur, puisque ça concerne deux grandes choses que nous attendons à voir, n'est-ce pas, la suite du gouvernement. Surtout, comme vous le savez, la cohésion sociale, qui est une très très grande aspect, n'est-ce pas, du plan présidentiel de reconstruction et de développement. Mais en plus, n'est-ce pas, des résolutions que nous avons prises lors de la Grand Dialogue National. Nous voulons maintenant savoir, n'est-ce pas, ce que l'État nous promet pour qu'on puisse continuer. Donc c'est un grand moment pour nous. Jour 1 à Bouya. Le soleil se couche, mais les images du jour meublent la nuit de l'illustre missionnaire. Au deuxième jour de la visite, c'est une session marathon que vont tenir les membres du comité de suivi des recommandations du GDN. Symbolique est le lieu choisi pour abriter les travaux, la NASLA. C'est l'institution qui forme le personnel et les fonctionnaires destinés à servir dans les collectivités territoriales décentralisées. Et c'est une grande retombée du processus de décentralisation en cours. Le directeur général de la National School of Local Administration est plein de gratitude à l'endroit du gouvernement. C'est avec beaucoup d'émotion et un sentiment de fierté que nous accueillons le Premier ministre ici ce jour pour la première session de ce comité à se tenir hors de la ville de Yaoundé. Et sur le plan symbolique, venir à la NASLA, qui est l'un des extrants du Grand Dialogue National, et présider cette réunion, pour nous,
c'est le Premier ministre a bouclé la boucle. Et donc, je crois que ce n'était que quasiment prédestiné que ces réunions se tiennent à Buea et à la Nasla. Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté. L'institution est en pleine mutation. Nous avons 6 ou 7 chantiers majeurs en cours avec pour perspective de améliorer de façon très significative notre capacité d'accueil. Nous sommes actuellement en pleine formation. Dans le cycle de formation continue d'environ 306 personnels des collectivités territoriales de toute l'étendue du territoire national. Et donc la NAS là, est opérationnelle, est en train de remplir sa mission de formation et en même temps est en train de se développer sur le plan infrastructurel pour accueillir encore plus de personnes en formation. h 40, 16h20, soit près de 6 heures de travaux à huis clos. La salle des actes de la National School of Local Administration ne sera pas débaptisée. À la suite de cette longue séance de travail de huis clos qu'elle vient d'abriter, ses murs pourraient le réclamer pour en faire la salle du Grand Dialogue National en souvenir de cette journée historique du 22 septembre 2021. Ces dernières années, beaucoup a été fait. La nomination et l'entrée en fonction du Public Independent Conciliator est une autre matérialisation de la dynamique enclenchée pour connaître aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest leurs spécificités socioculturelles avec une organisation locale particulière. S'y ajoutent d'autres réalisations concrètes telles que la loi portant promotion des langues officielles, la mise en place des assemblées régionales dans les deux régions, l'institution de la House of Chiefs dans les deux régions, ce furent des recommandations fortes du Grand Dialogue National. Le chantier de reconstruction et du développement des deux régions avance également grâce à la mise en œuvre du plan présidentiel qui lui est dédié. Le statut spécial accordé aux deux régions, le sujet était au cœur des débats. Nous retenons que le statut spécial, en prenant en compte les spécificités des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, participe du renforcement de l'unité nationale. Parce que ça permet de prendre en compte dans cette différence-là, qui permet à ce que ces deux régions-là s'intègrent mieux dans la structure institutionnelle nationale. Mieux encore, faire comprendre et expliquer les avantages politiques et économiques que présente le statut spécial reconnu aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si nous rentrons au début de cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y avait les revendications des enseignants. Ça veut dire que le statut spécial vient consacrer ou institutionnaliser la protection du sous-système anglophone. C'est très important. Le statut spécial donne aussi la possibilité à ces deux régions d'être consultées sur les réformes dans le common law. Vous savez, l'un des ressorts de cette crise est aussi économique. Le développement local, la création des richesses pour les jeunes, le développement des régions, ce pouvoir aussi, le statut spécial l'a confié aux régions. Puis de façon simple et sur ces quelques éléments, nous avons une ébauche de ce qui est contenu dans le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui en réalité c'est une réponse institutionnelle aux problèmes posés au début de la crise, ou par les avocats et par les enseignants. C'est pour ça que nous avons ces deux piliers, l'éducation et le common law. Au troisième jour, dédié aux audiences, consultations non-stop et délégations. Dizaines de délégations au total. Le bureau du Conseil régional du Sud, la délégation des chefs traditionnels des 6 départements que compte le Sud-Ouest, le FACO, le Koupé-Manégouba, le Magnou, le Ndian et le Lébialem, le maire de la ville, l'association des enseignants, le groupe l'association des femmes actives des 6 départements, etc. Pour l'essentiel, c'est toujours par le message de paix dont il est porteur que l'envoyé spécial du chef de l'État accueille chacun de ses hôtes. Aux entournures de 14 heures, avec un pincet,
les sollicitations de l'estomac. La journée des consultations tous azimuts s'achèvera vers 19h30. Au quatrième jour, lorsque s'effectue le voyage retour sur Yaoundé, un seul message habite les esprits et hante les pentes escrites. Réconciliation des cœurs. Le chef de l'État m'a dépêché avec cette délégation, les membres du comité de suivi des résolutions du Grand Dialogue. Il m'a demandé de tenir cette session ici à Boya. Et j'ai que les populations de cette région étaient très contentes. Les membres de ce comité de suivi ont demandé que toutes ces mesures que le chef de l'État a prises, tout ce qui est dans les textes, le statut spécial et tout. Fait parce que beaucoup de ce qui a été fait répond aux aspirations de ces gens. Donc nous allons rentrer à Yaoundé, travailler inlassablement pour informer toutes les populations, toutes les couches sociales de tout ce qui a été fait. Heureux qui, comme Joseph Dzengote, a fait un beau voyage. 2 ans après le Grand Dialogue National, dont le chef de l'État, Paul Biya, lui avait confié la présidence, une nouvelle page de renouvellement de la haute confiance donnée vient de s'ouvrir avec la mission de paix conduite à Boya du 21 au 24 septembre 2021.